Je vais donc inviter la COP à aller de l'avant, puis je donnerai la parole à tous ceux qui le souhaitent, je tiens à le préciser. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. On me demande souvent, mais au fond, expliquez ce que vous avez fait, etc. La meilleure comparaison, c'est le travail du sculpteur. Le sculpteur, il prend un bloc d'argile, plusieurs, et il essaye, comme ça, de rassembler les blocs et puis finalement d'en faire une forme. Et là, c'était la même chose. Bon, les blocs, c'était qui? C'était les grands pays ou les grands groupes, qui sont en général les plus pollueurs. Il fallait agréger à ces grands blocs les plus petits blocs. Les grands blocs, les petits blocs, sculpter tout ça, faire tenir tout ça ensemble et à la fin, le proposer pour que ce soit approuvé. Donc on dit que c'est un travail de diplomate, diplomate-sculpteur. Stockholm. Dans le décor doré de l'Opéra de Stockholm, les délégués des 112 pays participants à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement ont été accueillis ce matin par le roi Gustav Adolf. Monsieur Olof Palme, Premier ministre suédois, ont insisté sur deux points. La nécessité pour les États de présenter un front uni dans la lutte pour l'environnement. Un réchauffement plus que probable de notre planète, 1,5 à 4 degrés en moyenne. Ce réchauffement, les spécialistes l'expliquent par un accroissement anormal de l'effet de serre. En temps normal, la Terre renvoie une partie de l'énergie solaire sous forme d'un rayonnement infrarouge. Dans l'atmosphère, gaz carbonique, méthane, piège ce rayonnement infrarouge et en réexpédie une bonne part vers la Terre. Seulement voilà, limiter les rejets de gaz carbonique, c'est aussi limiter la croissance économique d'un pays. Clôture du sommet de la Terre à Rio. Beaucoup de délégations estiment que ce premier sommet écologiste n'a pas tenu toutes ses promesses. La photo qui restera dans les manuels d'histoire est sans aucun doute celle-ci. Les gouvernants du monde réunis au chevet de la Terre. La conférence de Kyoto sur les changements climatiques, le vice-président américain Al Gore a maintenu les objectifs des États-Unis. Dans son discours ce matin, il a promis une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, alors que les Européens attendaient plus, ils espéraient leur réduction. La dernière nuit balinaise fut un marathon douloureux. Suspension de séance plusieurs fois dans la nuit, dispersion dans les couloirs, négociations en coulisses, la tension fut constante. Jusqu'aux larmes, Ivo de Boer, patron de la Convention climat de l'ONU, craque en tribune. Ils applaudissent à tout rompre, mais pour sauver la face. Ils le savent, Copenhague n'a pas tenu ses promesses. C'est un accord à minima. Pour les signataires, engagement à réduire les gaz à effet de serre, aide de 30 milliards de dollars sur 3 ans pour soutenir les pays en développement. Le Premier ministre danois lui-même a du mal à donner un nom à ce qui vient d'être signé. 3h30 du matin, la séance plénière est levée, laissant place à une étonnante discussion. Face à la ministre indienne de l'Environnement, son homologue européenne tente de trouver le mot juste pour la persuader de signer, sous le regard de centaines d'autres négociateurs. 10 minutes plus tard, chacun a repris sa place. Nous avons été conciliants et nous avons réussi à trouver un terrain d'entente. Donc oui, nous acceptons ce texte. La conférence de Durban vient de se débloquer. Un accord est trouvé 2 heures plus tard. Et l'un de ceux qui sont présents ici me disait ce matin, c'est vrai que vous étiez seul candidat, ce qui rend la désignation plus facile. Et il ajoutait, bon courage. Cela donne la mesure de la tâche. Alors, d'où êtes-vous ? Chinois. Bon, d'où êtes-vous ? Greenery. The presidency is all here. The presidency is all here. So, ici, de négocier.
get into here, and this will be the president. Very nice. Je mesurais l'ampleur de la difficulté d'un système de négociation très compliqué et où la méfiance était la règle. Une grande difficulté à établir une relation de confiance pour que vraiment les pays abattent leurs cartes, pas seulement à la toute dernière minute. Et en même temps, une grande complexité de la négociation elle-même parce qu'il y a énormément de variables. Le climat, c'est négocier sur des politiques nationales, mais qui traitent des transports, qui traitent de l'énergie, qui traitent de l'agriculture, qui traitent de la forêt, qui traitent de l'urbanisme, qui traitent aussi de l'industrie. Donc, une espèce d'objet très, très, très fragmenté, très difficile. Nous partions avec un handicap, qui était d'être un pays développé et un pays européen. Un pays européen où, justement, Copenhague avait brillé, justement, par son incapacité à générer de la confiance, et un pays développé, donc un pays qui... cette négociation est quand même faite d'abord par les pays développés, qui sont plus nombreux et qui sont réticents, en principe, en tout cas qui ne veulent pas assumer des responsabilités qu'ils estiment excessives par rapport à la responsabilité historique des pays développés. Donc on partait avec un handicap. D'habitude, dans les conférences précédentes, on demandait au chef d'État et du gouvernement de venir s'il le souhaitait à la fin des conférences. Et nous, nous avons décidé avec François Hollande l'inverse. À Copenhague, un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement étaient venus à la fin, censés résoudre les problèmes dans les deux derniers jours, ils n'avaient rien résolu du tout, c'était trop compliqué. Et au contraire, comme ils venaient à la fin, leurs négociateurs, leurs ministres n'avaient pas suffisamment avancé avant, attendant, si je puis dire, leur patron. Nous nous sommes dit, il faut une impulsion politique. Tous les discours qu'ils ont tenus le premier jour ont été convergents. Ce qui a été extrêmement fort, c'est que tous ces chefs d'État et de gouvernement soient là devant les délégués et qu'ils leur disent, mesdames et messieurs, il faut réussir. Bien, je veux accueillir avec beaucoup de plaisir des représentants des communautés, des peuples autochtones. Vous savez que le dérèglement climatique frappe le monde entier, mais en particulier les représentants de ces peuples, de ces communautés. Ce que nous savons, et comme vous l'avez bien dit, les impacts du changement climatique maintenant atteignent les droits humains dans les pays. Le rôle de la présidence française et du président de la COP, c'est d'écouter, d'avoir l'esprit de compromis et de garder une certaine ambition. Et je me suis tenu à cette règle. C'est-à-dire que les groupes que j'ai reçus, ou les représentants des groupes, ou les pays individuellement, je leur ai dit, voilà, quels sont vos problèmes, avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Et je leur ai dit vers où je voulais aller et quels sont les compromis que j'allais présenter. Oui, où est-ce qu'il est, Todd? Ah, comment ça va? Je suis là. Not too tired? No, not yet. Please, have a seat. Ah. OK, Todd. Thank you very much. Thank you. And download on what we're doing. Spending a lot of time with China. I think he had quite good conversation on the whole mitigation side and successive rounds and 5-year reviews and all of that. Well, you're doing a wonderful job. Well, I shall tell you next Friday. Next or next Sunday. Yeah. Minister Fabius est incroyable. That's about the extent of my French, I'm sorry. But thank you so much for, I'm in all seriousness, all of the delegations here, even though we are at a stage of the negotiations where there is maximum negotiating and tactical maneuvering, even during this period, all of the delegations are saying that the French presidency is spectacular. None of these meetings has ever been as well organized. Merci. Merci. Merci.
Donc nous disposons d'un projet de texte qui est relativement long et qui convient de transformer en un texte qui puisse être adopté de manière consensuelle, puisque c'est les règles de la Convention climat. Alors ce texte est assez long, pourquoi ? Parce que sur certains chapitres, sur certains paragraphes, il comporte différentes options. C'est la voie de travail qui a été choisie. C'est le jargon quotidien des négociateurs, de travailler avec ses crochets. C'est-à-dire les parties qui sont en crochet sont des parties qui ne recueillent pas le consensus. Et les parties qui ne sont pas entre crochets sont celles qui font l'objet d'un accord. On va avoir des positions qu'on veut faire aboutir dans l'accord. On voit que c'est un consensus qui se dégage. Et il y a toujours des États qui ne sont pas tellement d'accord ou pas du tout d'accord. Et là, on va aller les voir et on va essayer de voir avec eux s'ils veulent bien changer d'avis ou contre quoi est-ce qu'ils voudraient bien changer d'avis ou sur qui est-ce qu'on peut faire pression ou qui on peut convaincre de leurs alliés ou de leurs proches pour les convaincre à leur tour de changer d'avis. Et voilà, c'est un jeu permanent de billard à trois bandes. C'est quasiment sinon et il y a toujours beaucoup trop de travaux. Et donc j'ai demandé aux négociateurs vraiment d'accélérer la mûre. Ils doivent normalement me remettre demain à midi un texte qui soit plus court, où il y ait toute une série d'options qui ont été levées. J'espère qu'ils vont le faire. Justement, il y a encore des crochets, il y a des châles, il y en a beaucoup. Ils mettent autre chose dedans, non ? Oui, mais les négociateurs sont à leur travail, j'espère qu'ils vont avancer. À la fin, on est tous avec l'adrénaline. Moi, mon rôle, c'est que le ministre ait toutes les informations en continu tout le temps sur ce qui se passe, qu'il ait des éléments de langage, qu'il sache où il va, qui est où, où est sa négociatrice, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le ministre, il dort peu, il n'a pas arrêté quand même depuis des mois, il n'y a pas eu de temps de pause, hein. Il n'y a pas eu de faux plein, hein. Ça a été... Hola, trop bien. You're still here? You're going back to Peru? I still don't know. Okay, it's good to have you. You know, we're starting the right things. Yes. C'est un moment très important. Le groupe ADP a travaillé depuis plusieurs jours pour préparer un texte qu'il doit remettre au président de la COP. On est entre deux et le président de la COP prendra ensuite le pilotage de la négociation du futur accord. Les pièces du puzzle sont réunies, mais le puzzle n'est pas encore constitué. Allons-y. La première semaine de la COP a conduit à avoir un texte un peu amélioré, sans beaucoup de fermetures de parenthèses, qui était peut-être le texte qu'il aurait fallu avoir en septembre. Donc on partait avec beaucoup de retard. Mais c'était le moment où tout le monde nous attendait pour savoir si ce qu'on avait dit était vrai. Nous avons dit, nous n'aurons pas d'autre texte que cette base qui a été produite par les parties. Même si elle n'est pas bonne, même si elle est difficile, c'est cette base-là qui va nous servir de document de travail. À partir de ce moment-là, la responsabilité bascule. Ils ont fait un grand travail, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Et il y a encore d'innombrables paragraphes, etc. Je me dis, si ça continue comme ça, on va être pris par le temps et on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Parce qu'on discute déjà sur le texte depuis plusieurs mois. Tous les débats qu'on avait eus, qui étaient utiles, mais qui n'avaient pas tous conclu, qui ne s'étaient pas tous conclus, on puisse les reprendre. Et puis, à partir du texte qu'ils me donnent, il y aura trois versions successives, puisque je leur avais dit, moi je ne vous ferai pas de surprise. Je n'ai pas un texte dans ma poche que je vais vous sortir au dernier moment. J'agirai en transparence. Mais je voudrais que vous, les délégués des 195 pays, vous agissiez aussi en transparence. Comme vous tous, j'ai une expérience assez large de la vie publique. Mais cette fois-ci, il s'agit de quelque chose de tout à fait particulier. D'une part parce que cette négociation, cet accord, nous ne pouvons pas le remettre à demain. Pendant que nous discutons,
les gaz à effet de serre, ils continuent d'être émis. Et au bout d'un certain temps, c'est irréversible. Ce dont nous discutons, c'est pas simplement l'environnement, c'est pas simplement le climat, c'est la vie. Moi, j'entends mettre l'expérience de toute ma vie au service de la réussite vendredi prochain. Et je considère qu'il n'y a pas d'un côté la présidence et de l'autre côté vous-même, mais que nous sommes tous attelés à la même tâche. Et que cette tâche, nous devons la réussir. Alors la COP21, c'est un marathon. Et nous sommes à mi-parcours. Le président de la COP a pris samedi la présidence des discussions. On lui a remis un texte. Il a défini une méthode de travail. Si je continue sur l'image du marathon, il a défini le rythme de la foulée. Il a mis en place un groupe de facilitateurs avec 14 ministres chargés d'élaborer des compromis sur un certain nombre de grands thèmes transversaux. À bientôt, mon camarade. He's a veteran, so. Yeah, he's a good one. See you soon. Oui, David. Non, il est revenu, il est avec le chinois. Il y a un créneau ici qui n'est pas rempli, qui a été réservé pour un entretien bilatéral. Donc, tenez, asseyez-vous, je vais mettre ma veste. Oui, oui, oui. Bon, ça va, vous n'êtes pas trop Pardon. Fatigué. Non, je suis venue ce matin. Ah, vous n'êtes pas encore totalement Non, fatigué. J'ai laissé la semaine passer avec nos services. La Suisse a une position importante. Ouais, mais quand même, je vois encore beaucoup d'options dans le texte, Ouh. Beaucoup de problèmes. Voilà. Après des années de négociations, c'est quand même beaucoup. Mais on vous attend. Non, c'est vrai que, bon, il y a encore beaucoup, beaucoup d'options, mais si les uns et les autres ont une bonne volonté, qui, j'espère, nous permettent d'avancer. Donc, on est entre deux, là, puisqu'on est... On sent que les choses bougent, mais qu'en même temps, il y a tellement d'obstacles à surmonter qu'on se demande comment ça va être possible en si peu de temps. Mais en même temps, on sent qu'il y a une dynamique, une émotion qui n'existait pas à Copenhague. À Copenhague, on était vraiment dans le conflit, là. J'ai pas l'impression qu'on est dans le conflit. Étrange de se parler avec des appareils. On a l'impression qu'on est chez le dentiste. La première version du texte que la France a mis sur la table était la transformation du texte qui avait été produit par la première semaine. Petit à petit, nous, on a fait évoluer ce texte en fermant des options et en gardant ouvertes, notamment pour le deuxième texte, trois variables politiques et en ayant fermé toutes les options techniques, ce qui a été le choix stratégique que nous avons fait. On a construit le deuxième texte en ayant à dessein des déséquilibres, un paquet finance très en faveur des pays développés, un paquet différenciation équilibré mais plutôt en faveur des pays en développement et une ambition très élevée. La troisième version a consisté à rééquilibrer le paquet financier en négociant bien sûr avec les pays développés qui étaient très hostile à ce que nous avions proposé dans le deuxième papier. Et en même temps, en équilibrant aussi la différenciation de façon à ce que les pays développés puissent se retrouver dans un équilibre quand même des obligations entre les deux grands blocs. Et l'ambition n'a pas été touchée. Hello everybody. I hope you all did your sit-ups and your push-ups already, okay? Ah, attends, c'est le gouvernador. On ne connaît pas doucement, c'est le problème. Just like you have hoped for and promised, France is moving the ball forward. That is the important thing, and that is what leadership is all about. From that Paris conference, things must be different. That's right. I'm happy also to be here to represent Austria, because I'm Austrian and I'm Californian and American. And you're Parisian as well. That's right. That's for sure. Absolutely.
on n'a pas trop le temps d'appréhender, quoi. En fait, continue. Je pense que pour la diplomatie française, c'est formidable parce qu'on a vraiment montré qu'on savait être impartiaux. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'on soit les porte-parole des Européens. Et un des textes qu'on a mis sur la table, celui juste d'avant, il a été considéré comme très très à gauche, très très pro-pays en développement. Donc on a gagné beaucoup de crédit. Une bonne partie du travail aurait dû être fait avant en fait. On est arrivé en début de négociation avec en fait un texte, je pense qu'on peut le dire maintenant, totalement ingérable. Les gens gardent leurs cartes en main et il faut arriver jusqu'à ce moment-là où le fruit tombe. Il faut faire attention parce qu'en fait c'est là où il ne faut pas se planter, on n'a pas le droit à l'erreur, donc collectivement il faut qu'on soit suffisamment vigilant pour ne pas faire des petites erreurs de langage qui ne sembleraient pas importantes. Pour améliorer la version du texte, pour arriver à un accord général, il y avait les séances publiques, tout le monde était là, et puis on a eu recours à des séances par plus petits groupes qu'on appelait Indaba, c'est un nom d'Afrique du Sud, souvent la nuit d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas le temps, le jour ne suffisait pas. Well, dear colleagues, we shall start, please, have a seat. I hope that you have been able to read and discuss the new version of the final. Les ministres à la table et ils vont discuter toute la nuit, pratiquement jusqu'à l'épuisement. Ou en tout cas jusqu'à trouver les compromis qu'on va leur proposer pour avoir des formulations à un nouveau texte demain. Ce processus est très transparent. Il est très transparent. Les séances plénières sont retransmises, elles sont sur le web, il y a des salles d'écoute partout, ceux qui ne peuvent pas y être de tout. La société civile est vraiment témoin de ce qui est en train de se passer. Et comme le monde a changé, il faut que les gouvernements changent avec le monde. Et c'est ça qui est en train de se passer ici. Il est arrivé. Il est arrivé. On me dit que tu es arrivé. Bonjour. Ça va ? On sent qu'il y a une vraie volonté politique collective d'y arriver, mais qu'il y a encore beaucoup d'égoïsmes nationaux à surmonter. Donc on a le sentiment, effectivement, d'une négociation extrêmement difficile, technique, complexe. Alors chacun, à notre niveau de responsabilité, on a l'impression d'y participer. Donc pour nous, effectivement, ce sont des moments dont on se souviendra toute notre vie. J'ai évidemment toujours l'angoisse qu'au dernier moment, il y ait le petit élément qui va bloquer la mécanique et qui grippe la machine. C'est en direct télé, c'est ça ? Ouais, on va la proposer. Ah, tu la proposes, mais il y a une petite frustration parce que je m'attendais à vivre un jour historique aujourd'hui, finalement l'accord est repoussé à demain, donc 24 heures de plus. Mais c'est vrai que c'est exaltant d'être ici, la terre entière, plus de 3000 journalistes je crois sont ici depuis le début de la COP21, donc on a la chance de vivre ça. Bien, nous acheminons vers la fin de la COP21. On ne retrouvera jamais un momentum, comme on dit, aussi favorable qu'à Paris. Mais maintenant, la responsabilité, elle appartient aux ministres, au pluriel, qui, demain, auront à faire leur choix. Moi, je vais leur présenter un texte qui est le plus ambitieux et le plus équilibré qui soit possible. Évidemment, chacun n'obtiendra pas 100% de ce qu'il demande. Quand il y a 196 parties sur un sujet aussi complexe, si chacun exige les 100%, et bien finalement, chacun obtient 0%. Là, il s'agit vraiment de les comprendre. Il s'agit de saisir ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont dans le cœur, s'ils sont tactiques ou pas, qu'ils se sentent en confiance. C'est vraiment la clé. Je trouve que c'est la quintessence de la diplomatie que de jouer ainsi des ressorts psychologiques, au sens noble, dans l'exercice de défense de nos intérêts et, en l'occurrence, des intérêts de la planète. Because at the end of the day, excellency, just by the increase of 1.5% is going to be catastrophic for the Pacific Island nations that I come from because of the present time. Le travail a été constant toute la nuit. Les consultations se continuent et personne quasiment n'a dormi cette nuit, comme la nuit dernière et comme la nuit précédente. Dans ma courte carrière de diplomate, j'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Je pense que tout le monde
à une tension extrême parce qu'on sait qu'on est peut-être en train de contribuer à faire l'histoire. Le samedi, ce sera terminé. Et là, je suis obligé de me jeter à l'eau. C'est-à-dire qu'on a travaillé toute la nuit, j'ai vu les uns et les autres, j'ai fait, c'était mon rôle, des arbitrages à la fin, je me rappelle la dernière nuit, il a fallu reprendre tout le texte, c'est pas du Flaubert, hein. Bon, et dire, on prend cette version, on prend cette version, on prend cette version, donc bon. C'est un moment très difficile parce que, évidemment, il faut pas donner le sentiment que c'est un chantage, apprendre ou à laisser, mais c'est quand même apprendre ou à laisser. Nous voici donc presque au bout du chemin et sans doute au début d'un autre. J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. Nous sommes en effet parvenus, c'est ma conviction profonde, à un projet d'accord ambitieux et équilibré qui reflète les positions des partis. Il confirme notre objectif central, vital même, de contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré, ce qui permettrait... Ce qui permettrait de réduire significativement les risques et les impacts liés au changement climatique. Si par malheur nous échouions, comment pourrions-nous rebâtir l'espoir ? Les citoyens du monde, nos propres concitoyens, nos enfants ne le comprendraient pas et je crois qu'ils ne le pardonneraient pas. Et donc c'est un discours où il y a évidemment de l'émotion parce que, pas seulement chez moi, mais chez tous ceux qui entendent, parce qu'au fond, tout le monde voulait qu'il y ait un accord. Il y a quelques heures avant la fin, j'entre et je sens bien, je suis touché en disant ça, qu'il y a une atmosphère et que la plupart des délégations, la quasi-totalité, veulent qu'il y ait un accord. La première réaction était très positive et puis on s'est aperçu à 4 heures qu'il y avait un vrai problème. Le diable est dans les détails. Il y avait un délégué qui était réticent, mais je me disais, mais il ne doit pas être très représentatif, peut-être pas totalement représentatif, donc j'ai cherché à joindre son président. Et puis je suis tombé sur sa femme. Il n'était pas là. Elle me dit, il est à la pêche. Alors je dis, oui, c'est ennuyeux. Bon, il y a toujours des anecdotes. Finalement, ça s'est bien terminé. Puis, et il y a eu une difficulté d'une autre nature. L'équipe qui s'est occupé de tout ça, avait un travail remarquable, mais il y a eu une boulette. C'est la fameuse affaire dite du châle et du chaud. Châle, en anglais, ça veut dire qu'on va faire quelque chose. Chaud, ça veut dire qu'on devrait faire quelque chose. Donc, évidemment, le châle, c'est plus engageant que le chaud, et ça a des conséquences juridiques. Les textes ont été plusieurs fois modifiés, comme je vous l'ai indiqué. Dans un cas, le secrétariat fait une confusion. Au lieu de mettre chaud, il a mis châle. Ce qui avait comme conséquence, notamment par rapport à des pays comme les États-Unis, que ce n'était pas une incitation, mais ça devenait une obligation, ce qui posait des problèmes juridiques insolubles. Et donc, à partir de là, le groupe le plus puissant, et qui est le groupe qu'on appelle des 77, a dit « non, ce n'est pas possible ». D'une part, les États-Unis ne pouvaient pas accepter cette version, mais d'autre part, le groupe des 77 ne voulait pas qu'on change cette version. Alors c'est un moment qui est un peu dramatique. Et évidemment le risque, c'est qu'il y a un équilibre assez instable dans ce genre de truc. Et si on commence à
à détricoter d'un côté, ça risque de modifier l'équilibre et donc d'autres États peuvent du coup avoir d'autres problèmes. Et la pire des situations, ce serait que pour satisfaire un État, on crée cinq États qui ont un véritable souci. Donc c'est ça toute la difficulté. Donc il faut essayer de... C'est très chirurgical. Il faut intervenir de façon chirurgicale, si possible minimale, pour donner quelque chose à l'État qui a vraiment un problème, puisque c'est au consensus, et en même temps sans détricoter l'équilibre du texte. Donc il y a une discussion, et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux. Et donc je suis venu, et j'ai dit, vous pouvez soupçonner que c'est un changement de fond, ce n'est pas un changement de fond, c'est une erreur matérielle. La preuve, c'est que dans les deux versions précédentes, ce n'était pas un châle, c'était un chaude, donc on n'allait pas changer au dernier moment. Et donc je vous demande, au nom de la confiance que vous me faites, d'accepter que ce soit une erreur matérielle, ce qui pouvait être rectifié, parce que la procédure permet une rectification des erreurs matérielles, mais pas une rectification de fond. Et là, c'est le moment de la bascule. Et donc, on dit, oui, écoutez, on vous fait confiance. Mais ils auraient pu dire non. Un seul aurait pu dire non. Je vais donc inviter la COP à aller de l'avant, puis je donnerai la parole à tous ceux qui le souhaitent, je tiens à le préciser. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. On me rappelle que j'ai à taper avec le marteau. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Bon, vous êtes une équipe vraiment extraordinaire et je veux tout simplement vous remercier. À partir du moment où on accepte un défi, vous gagnez. Et on s'est organisé pour ça. Et ce qui me touche aussi beaucoup, c'est que le succès, vous l'avez entendu à travers les expressions des uns et des autres, c'est un succès dont le témoignage est rendu à la France. Quand on a la chance, comme on l'a fait tous ensemble aujourd'hui, de marquer l'histoire et de pouvoir rendre service aux autres, ceux qui sont là et ceux qui viendront après, c'est une bénédiction. Et je dis ça en laïque. On a monté une grande tension, y compris dans les derniers jours. Et on a affaire à des gens qui, savent ce que c'est qu'un rapport de force. En fin de compte, à partir du moment où on avait la compétence, la courtoisie, qui est une vertu très importante, c'est la relation humaine qui a permis de faire basculer les choses. On vivra une fois ça dans sa vie, et ça vaut le coup. Merci.